BNGRC, dont au sinistré dans sa quelle Bessaretti. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, ou BNGRC, a octroyé un don composé de sacs de riz, de légumes secs, de seaux d'eau, de marmites, d'assiettes, de cuillères et de tentes à quelques 300 sinistrés qui ont vu leur maison ravagée par l'incendie d'Antsaakel Bessaretti. Cet organisme, rattaché au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, et qui a représenté les entités étatiques, a également remis deux chèques de 200 000 ariages, l'un à la famille d'un bébé qui a trouvé la mort asphyxié par la fumée, et l'autre à une personne âgée grièvement blessée et brûlée au second degré. Le secrétaire général du BNGRC a saisi cette occasion pour présenter ses sincères condoléances à la famille de la victime. Il n'a pas manqué de souhaiter un prompt rétablissement à la personne blessée. Paul Rasserafar, chef du Foukoumtane de Bessaret, a tenu à remercier les généreux donateurs. Les dons ont effectivement commencé à affluer depuis hier soir. L'objectif étant de permettre aux familles des sinistrés de surmonter cette épreuve en attendant la reconstruction de leur maison. Une partie des sinistrés a temporairement été accueillie au gymnase couvert de Bessaret, une autre partie à l'église pentecôtiste de Bessaret, les autres sont partis rejoindre leurs familles proches.